Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Little Beauty Legacy Challenge. Et on a un gros chat qui ronfle. Oh, et puis il monte ses petites quenottes là. Oh, il fait un cauchemar le petit. Oh, attention. Oh, ça galope. Donc, Louise François. Ah mince, la femme de Harold est décédée. Et il fallait bien que ça arrive, malheureusement. Et on a notre jolie Carla qui est de nouveau enceinte. Et oui, déjà, elle enchaîne. Et voilà, Norman se fait déjà entendre. Non, tu vas pas changer la couche, tu vas juste l'allaiter. C'est toi quand même qui es la plus proche. Donc tu peux t'en occuper rapidement. Et puis je pense que t'as un autre bébé qui pleure là, c'est ton chat. Voilà, c'est Rudy qui réclame à manger. Regarde. Oh, maman, j'ai faim, maman. Oui. Oui, Rudy, on arrive, on arrive. On arrive très bien. Pendant que Carla imite la mère parfaite, mais ne l'est pas. On est d'accord. Et notre première fille, Meryl, qui prend son petit-déj. T'as déjà. Ah ouais, t'es en forme, toi, dis donc. Eh ouais. T'as fait tes devoirs? Ah ouais. Bah écoute, tu vas jouer avec émotion. Hein, après avoir mangé. Du Norman, tu vas pas commencer à nous casser les couilles, hein? Sinon, on casse les tiennes, hein? Vu que t'en as. MDR. Je crois que notre chat est un morphal, sachant qu'il a déjà bouffé sa gamelle. Et il redemande. C'est hallucinant. Allez, va aux toilettes, toi. Après, tu iras en cours. Est-ce qu'il va manger, au moins? Oui, c'est un bon chat. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? T'as pas fini ta nuit? Tu vas dans la salle de bain de ta fille, juste pour prendre une douche. D'accord. Et après, tu vas au lit, parce que bon, il faut que tu gardes tes forces, hein. Avec le petit noubou qui est à l'intérieur, il faut qu'il garde des forces, hein. Ça va pas le faire comme ça, hein. Ah bah, elle a pas été à la douche finalement. C'est du grand nawak, je vous dis, c'est du grand nawak. On a Ludwig qui s'essaye encore à la cuisine, j'ai un peu peur, j'avoue que. Voilà, j'ai peur qu'il foute encore le feu. Ah, Meryl a rencontré Diego. Ouais, c'est encore un rouquin. Hein. Je suis pas sûre de le prendre celui-là. Hein, on le relouquera s'il faut. Waouh, on a gagné 23 simflouz grâce au bouquin de Carla. C'est l'angoisse. C'est grave l'angoisse. Du coup, tu vas te réveiller. Ah mince, il est déjà aux toilettes lui. C'est pas grave. Tu vas y aller. Quand même. Toilette. Bain. Manger. Et puis tu vas bosser. Tu vas bosser, bosser, bosser. Reprendre l'écriture. Voilà. Parce que là, faut qu'on gagne de l'argent. Sinon, on sera à la rue, on pourra plus payer les factures à un moment donné. Ben, elle s'est enfin mise au boulot. À faire son bouquin, là, parce que. Hein? T'es lente, hein, ma petite, moi je te le dis. Hein. En attendant que ça avance, que Norman grandisse, que la petite rentre de l'école aussi. Et que tu accouches aussi, parce qu'il faudra mettre bas un jour. Hein. Deuxième trimestre en 10 heures. Très bien. Ah ben, voilà, Norman pleure. Ludwig! Ludwig est demandé. Et n'ont-ils des levées? Il est temps, parce que franchement, il est 14 heures, quoi. T'es une feignasse, ma petite. Tu vas aller où dans le pipi? Si, si. Hop, tu vas aller sur le pot. Puis tu mangeras un truc. On va te mettre un truc à manger et puis tu iras manger aussi. Pendant que Ludwig prend soin du petit garçon. Voilà. C'est maman, il faut qu'elle travaille. Ah, Meryl est rentrée. Et elle est absolument ravie. Allez, tu vas regarder un truc. Ah, un jeu multijoueur. Non. Alors, un jeu en ligne. Voilà. Tu vas. Ah, tu peux. Tu vas jouer avec ton père, tiens. Voilà, comme ça tu feras connaissance avec lui, même si vous ne discutiez pas, parce qu'il n'y a pas les casques et donc pas les micros. Donc je sais pas comment ils font pour jouer en multijoueur, mais on dira rien. En tout cas, ça a l'air de la calmer un peu. Ça la concentre, c'est déjà ça. Voilà, ouais. Qu'est-ce que je disais? Ça la concentre et puis après tu feras tes devoirs, comme une bonne petite fille que tu es. Eh, mais notre chat, il nous a ramené! Trop bien! Trop bien!
Il est parti chasser et tout. Vas-y, tu vas donner une friandise. Ah, c'est trop chaud. Bon, les toilettes, hein, vous savez très bien que c'est un endroit de rendez-vous. Norman, il pleure encore une fois. C'est pas possible. Tu lui donnes le cadeau ou quoi, là? Eh, repars chasser un coup, Rudy. Et puis, il a enfin lâché son tas de feuilles. Mon tas de plumes. Voilà. Oh, punaise, il part. Mais pars chasser, mon coco. Oh, il aime pas la porte. Tu me casses les couilles un peu, toi. Hein. Elle va manger. Ok, si tu veux. Et après, tu pourras profiter peut-être de... S'il fait bon. Il fait frais, mais tu pourras peut-être faire de la balançoire. Hein. Ça pourrait être sympa. Hein. Qu'elle serve aussi un petit peu. Hein. Ouh! Et ouais, la petite balançoire qui va bien, quoi. C'est trop cool, les balançoires. C'est trop bien, les balançoires, à n'importe quel âge, c'est trop bien. Oh, la saleté! Oh, la saleté! Ludwig! 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 Attends. Est-ce qu'il peut l'engueuler? Je suis pas sûre hein, qu'il puisse... Oh, la vache. Non, il n'y a que elle qui puisse l'engueuler. Ouais, mais elle a 40 000 trucs à faire. Éducation. Bah ouais, il ne l'a pas, l'éducation. C'est pas son enfant. C'est trop de la merde! Bah, tu viendras nettoyer quand même. Et la petite, tu vas l'éduquer dans ce cas-là. Tu vas lui apprendre des trucs, tu vas lui apprendre à parler. Au moins, ce sera ça de fait. Parce que. Ça va, cette histoire! Allez, petite Carla, tu vas bientôt finir ton nouveau bouquin. Ça nous fera des petites tunasses en plus. Pour le prochain épisode. Pour le prochain jour aussi, il y a tant qu'à faire. Donc dépêche-toi, cocotte. Là, ça urge. Oui, ça y est. Ça y est, le livre est fait. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo? Tu me saoules. Ton fils a besoin de toi, je crois. Voilà, il avait besoin de maman, il a besoin de son nichon. T'es dans un état, ma pauvre Carla, ça fait peine à voir. Et tu vas aussi vendre un éditeur ton autre livre. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce que tu fais, Chouquette? Ah non, 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 non. Tu vas aller sur le pot. Comme une grande fille que tu es. Le chat, ça va pas. On sait pas ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as, le chat? Qu'est-ce qui va pas? Mais sûrement qu'il a faim. Donc en tout cas, on va lui donner à bouffer. Ludwig, il sert vraiment un peu ses types esclaves quand même, le pauvre. Hein. Il fait tout ce que le Carla ne fera pas. Et Carla est partie poster son bouquin. C'est bien, ma belle, maintenant dors. Va dormir tout de suite. Je pense que tu as quand même bien bossé. Tu as fait 2 livres aujourd'hui. C'est une bonne moyenne. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Il a quoi, le chat? Il aimerait avoir une litière propre. Elle est propre, ta litière. Espèce d'idiot de chat. Voilà. En tout cas, tu peux venir bouffer parce que j'ai l'impression que t'es un vrai morphale. Tu peux reprendre à manger tes cupcakes et aller aux toilettes. Ouais, je sais. Et après, tu pourras te reposer, je pense, mon petit Ludwig. Tu nous auras bien servi aujourd'hui, en tout cas. Qu'est-ce que t'es parti faire, Ludwig? Il est parti, il veut nettoyer. Caresse Rudy. Mais il n'y a rien sur le sol, espèce d'idiot. Mais il est con. Ou alors mon jeu est sacrément buggé. Wow, les petites fleurs partout. Les petites fleurs, c'est beau. Les petites fleurs, c'est la vie. Oh non! Oh non, pas ça. Pas ça, s'il vous plaît. Non, pas ça. Va faire une sieste. Oh non, j'en ai marre, le monstre. Tu m'as même mis la bête de monstre. Oh, j'en ai marre, la bête de monstre. Lampe anti-monstre is coming. On va prendre celle-là. Voilà, il n'y a plus de monstre. Ah, arrêtez de merder maintenant avec le monstre. Regarde, il a disparu. Il n'y a plus de monstre. Oh non, tu vas pas réveiller Ludwig. Oh non, je te le dis maudit. Direct. Tu vas te coucher. Sinon, tu vas bientôt aller en cours. Espèce de feignasse. Norman a vieilli. Norman a vieilli. Norman a vieilli. Il sera angélique. Ben non, tu fleurs plus. Oh, il a les cheveux noirs! Fais voir. Norman! Ne bouge pas! Je vais
Voir à quoi tu ressembles, saloperie de chat. Oui! Oui, qu'il est mignon. Oh, il est trop mignon, ce petit. Oh, j'ai hâte de le voir grandir, les petits chouquettes. Et voilà, un petit garçon en pleine forme. Regardez-moi ça. Il pleure, mais voilà. On n'a pas eu le temps de dire ouf, non, mais toi. Et regardez dans quel état elle est. Elle doit pisser et manger de ouf. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère jouer à la poupée. Moment romantique en vue. Anticipe un jour férié. Ah merde. Ah merde. Ça va être le jour de l'amour, mais on n'a pas de. Il nous faut un mec là. Est-ce qu'on fait avec un nouveau ou on fait avec un ancien? Eh ben. T'es une vraie cordon bleu, dis donc. Allez, on va dire à tout le monde de venir manger. Hop! Comme ça, c'est fait. On va nourrir les monstres. Et j'étais en train de me dire qu'effectivement, sur les trois enfants que nous avons, il n'y en a aucun qui a les cheveux roux. C'est une victoire. En espérant que le prochain, Chapache, après, c'est pas dérangeant. Si il n'y en a qu'un qui a les cheveux roux, ce sera quand même moins pire que tous. Waouh! On a gagné. Oh oui! On a gagné 169 simflouzes grâce à ces bouquins. Ben ouais, cocotte. Et puis, dès que t'es en forme, tu vas te regarder un film, là, parce que je sens qu'il va falloir que tu... Voilà, tu vas regarder la télé un peu. Tu vas te remonter un peu le divertissement, et après, tu rebosses. Parce qu'il faudra que tu nous fasses des bouquins! Sinon, on n'y arrivera jamais. Allez, Norman va demander à Léopold, à son tonton. Bah, il est là pour ça aussi. Hein. Tu es un esclave, Ludwig. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Les mots sont posés. Tu es l'esclave de nos enfants. Oui, il a écrit tout un livre aujourd'hui. Mais c'est parfait. Oh là 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 là, Meryl. Oh là là, Meryl, ça va pas du tout. Avoir un degré dégoûtant. Non, non. Maman. Maman, éducation. Discipline, sévère, hurler-tu. Voilà. Parce que ça suffit là. Meryl! Saleté! Gueule-lui dessus là, au lieu de bouffer là, comme une grosse truie là. T'es à côté, tu dis rien, non mais la blague. Allez! Allez, mange! Et toi. Non, tu vas pas continuer à mettre le bazar. Tu vas nettoyer. Voilà! Si tu veux, tu peux manger après. Bon, Carla, tu es bien là. Tu vas quand même écrire de genre. Bah ouais, mon guide d'entraînement, tu l'as déjà fait. Tu vas faire un scénario du coup. Hein? Ça va peut-être nous rapporter un peu plus de pognon. On a un chat qui court partout. Il est fou ce chat. Il est fou, Rudy. Hein, dit Rudy. Va attraper les mouches là, ou je sais pas quoi. Bon, elle va bientôt finir son bouquin. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir avancer un peu. Quand est-ce que t'accouches, toi, déjà? Ah, dans 3 heures, c'est le troisième trimestre. Donc ce sera pas pour cet épisode. Oh, 3 heures. Bah oui, c'est vers minuit, je crois. Excusez-moi. J'ai un petit peu de... Il y a un petit peu de fatigue, moi aussi. Oui, mais... Alors là, je la fais jouer vite fait, et puis après, tu vas prendre. Ah, puis t'en as deux en plus, un mètre, un histoire. Donc, on va gagner de la thune à partir de demain. On gagne de l'argent avec Carla. Il était temps parce que, quand même, hein, on a au moins on a trois enfants et un chat à nourrir, donc il nous faut de la thune. Et aussi payer les factures et tout pour pas se foutre, faire foutre dehors parce que là, ça craint. Matt et moi, ce bidou, quoi. La vache! La mère et le fils. Aucun lien de ressemblance, on est bien d'accord. Au moins, c'est cool, ça fait vraiment des grandes différences. Elle a les cheveux noirs, les yeux rouges. Bon. Nantilde, blonde, les yeux bleus. Norman, potané, cheveux noirs et yeux marrons. Donc, c'est bien, ça fait un bon mélange. J'attends vraiment de voir ce qu'il y a à l'intérieur du Subidoula. Et pour faire un peu plus de diversité. Qu'est-ce qu'il a? Il est triste, il est fatigué. Non, tu vas demander à tonton d'aller au pot là, parce que t'as vachement besoin d'aller au pot. Et après, t'iras dormir.
Juste seulement après, mon petit. Oh, les petits michous, là. Trop mignon! C'est tellement intéressant ce qu'il dit, Ludwig, que même Rudy, il écoute. Il dit, ah ouais! Ah ouais, ça fonctionne comme ça, les humains. Ah ouais, d'accord. Ça y est, Norman, il a réussi à faire pipi ou caca, j'en sais rien, dans son pot. Et après, c'est direction directement le lit parce que là, il fait tard, hein. Il fait tard pour un petit bambin de cet âge-là. Je pense qu'il va tomber dans les pommes largement avant. Hein. Bravo, Norman! Il est trop chouchou. Ouais, va dormir et toi aussi, tu peux aller dormir, hein. Qu'est-ce qu'elle fait debout, elle? Qu'est-ce que tu fais? Va aux toilettes et après tu vas te coucher, meuf. Tu nous fais quoi? Allez, hop, au lit. C'est pas une heure pour se lever, mademoiselle, hein. Clairement pas. Eh ben non, lui il préfère tomber dans les pommes en retournant sur ses pas. Oh, c'est trop kiki quand ils tombent dans les pommes, les enfants. Les bambins, c'est trop kiki. Allez, ça y est. It is time to you, for you. Excusez-moi. Ah, bah, il pleut dehors. Pour aller au dodo, allez, Norman. Vite. Oh, puis bien sûr, je l'aurais relooké, ne serait-ce que pour les vêtements. Pour les prochains épisodes, bien sûr, je vais garder sa bouille comme ça. Il est absolument choupinou. Bon, et ben moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Vous avez vu que ce sera bientôt l'anniversaire de Nantilde. Elle va devenir une enfant. Eh ouais, déjà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et que Norman vous plaît aussi. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!